Vous suivez le 7 minutes sur 7 Info. Bienvenue à toutes et à tous. Le vieux Ménécré, encore appelé Docteur Vis-à-Vis, est décédé le samedi 17 février à l'âge de 118 ans. Le monde culturel ivoirien est en deuil. Le concours Miss Côte d'Ivoire se déroulera cette année le 29 juin au Parc des Expositions d'Abidjan. Les innovations à découvrir dans ce 7 minutes. Et puis la commune de Jacquesville a abrité la célébration du nouvel an en pays Aladjan. La fête annuelle des Dougnamans a tenu ses promesses. Le monde de la culture ivoirienne est en deuil. Le vieux Ménécré ou encore Docteur Vis-à-Vis est décédé le samedi 17 février à l'âge de 118 ans dans son village natal dans la sous-préfecture de Gagnoa au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une triste nouvelle annoncée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Célestin Kadi, de son vrai nom, a été révélé à la Côte d'Ivoire en 2004 au travers de l'émission satirique de l'animateur John Jay dénommé du Coq à l'âne. Mais... Comment me dire que je ne suis pas fait, je n'ai pas bien fait. J'ai dedans construit, j'ai construit chez moi le premier. Je suis tout maître. Quand tu parles, je suis là, tout le chimique, il m'est venu à nous. Mais... Calmez-vous là. Calmez-vous pas de cimetière là. Tu te mets Kakredou, après Kakredou, Grébré. Au lendemain du décès, celui qui l'a fait connaître n'a pas manqué de lui rendre hommage sur sa page Facebook. Que dire du vieux Ménécré que vous ne savez déjà? Alors, j'ai eu cette chance de pouvoir mettre sur pied une production intellégale qu'on appelle du Coq à l'âne parce qu'on était en pleine période de crise et les Ivoiriens avaient besoin d'un peu de bonne humeur à l'état pur pour oublier un peu tous les dégâts, toute cette tragédie que vivait le pays. On a enregistré quelques capsules en France. Ensuite, je me suis retrouvé à Gagnoa. À Gagnoa, je suis parti au lycée et un jeune qui m'a dit « Non, je t'accompagne au commerce, il y a un vieux là-bas qu'on appelle Docteur Vis-à-Vis. » Si ta caméra marche, si ton micro marche, que tu le vois, c'est le jackpot. J'étais avec mon associé à Nikoné. Et ce jour-là, je ne vais jamais l'oublier. Je suis tombé sur quelqu'un. J'ai dit, je cherche Docteur Vis-à-Vis. Il dit, c'est moi. Et avec une envolée lyrique, mais un français académique propre à lui, je me suis venu au sujet de toi. Non. J'ai même pris dans nos relations une balle perdue. Oui, il m'a traité de détruire. Mais c'est quelqu'un qui était extraordinaire. Je pense que ce monsieur a vécu utile. Il a apporté de la bonne humeur aux Ivoiriens. Je voudrais simplement souhaiter mes condoléances les plus attristées donc à sa famille biologique, à tout le canton de dans lequel se trouve le village Ménécré. Vieux, je me viens au sujet de toi pour te dire que ce que tu m'as apporté, ce que tu as apporté à mon émission, jamais je n'oublierai. C'est vrai qu'on a eu quelques malentendus, mais ces malentendus sont minimes par rapport à ce que j'ai vécu avec toi. Et c'est ce que je veux retenir en gardant un souvenir inoubliable. Que le bon Dieu, dans sa miséricorde, fasse en sorte que ton âme repose en paix. Dans le communiqué du ministère de la Culture et de la Francophonie, la ministre Françoise Remarque présente ses sincères condoléances à la famille biologique du défunt, au monde de la culture, avant d'assurer que le ministère de tutelle prendra sa part de deuil. Douche froide pour Sébastien Allaire. L'attaquant ivoirien n'est pas encore au mieux de sa forme. À peine revenu de la CAN où il a été sacré avec les éléphants de Côte d'Ivoire en marquant le but décisif face au Nigeria, l'attaquant du Dortmund souffre d'une entorse de la cheville. Il sera absent pendant des semaines, comme l'indique le communiqué de son club. Les examens réalisés vendredi à Dortmund ont révélé que la blessure à la cheville de Haller, survenue contre Mayence mi-décembre, s'était à nouveau manifestée et s'était rouverte, contraignant ainsi l'attaquant à prendre une nouvelle pause prolongée. Ce contretemps est un véritable coup dur pour Sébastien Haller, qui avait été acclamé en héros par ses coéquipiers du Borussia à son retour en Allemagne. Arrivé en sélection, touché à cette même cheville, l'attaquant ivoirien avait manqué tous les matchs de poule avant de toucher la pelouse pour la première fois face au Sénégal en huitième de finale. De son côté, Simon Adingra continue de prouver le bien que ses fans pensent de lui.
Élu meilleur jeune joueur de la CAN 2023, la pépite ivoirienne a réalisé une prestation phénoménale en Premier League. Pour sa première sortie, le jeune ailier de 22 ans a claqué un doublé pour une victoire 5-0 de son équipe sur la pelouse de Sheffield United. Très à l'aise balle au pied, Simon Adingra ne s'est pas loupé à la 77e minute pour alourdir le score de son équipe sur une action rondement menée. 8 minutes après ce but, Adingra va s'offrir le doublé. Une nouvelle fois à la conclusion d'une action d'école. Il s'agissait du 7e but marqué avec Brighton depuis 2022. Innovation dans le concours Miss Côte d'Ivoire. Une série de questions-réponses va meubler la 28e édition du concours de beauté. Pour 2024, les candidates devront se prononcer sur leurs attentes vis-à-vis de l'État pour un meilleur développement personnel. Au lieu que ce soit les jeunes filles qui attendent quelque chose de l'État, c'est elles qui vont proposer à l'État des axes sur lesquels elle souhaite avoir la possibilité de s'épanouir. Donc, pendant toute la tournée, pendant toutes les présélections, les jeunes filles vont nous dire, vont s'adresser au public, vont s'adresser au gouvernement en leur disant, nous, voilà ce que nous souhaitons pour nous épanouir. Voilà ce que nous espérons que l'État fasse pour nous. Voilà ce que... Donc ce sont des doléances en fonction de leurs aspirations personnelles. L'édition 2024 de la finale du concours Miss Côte d'Ivoire se déroulera au parc des expositions d'Abidjan le 29 juin 2024. Le son des fanfares et des batteries pour débuter l'instant festif. Nous sommes à la fête annuelle de célébration du Nouvel An en pays aladien dans la commune de Jacquesville. Dénommé Dédou Niaman, qui signifie fête annuelle de retrouvailles en français, cet événement a réuni les autorités et les chefs coutumiers de la région. L'objectif étant de valoriser l'unité et la cohésion entre les peuples de toutes générations. Cohésion, entente, voilà. Et développement de Jacquesville. Merci. C'est le résumé. Cette cérémonie traditionnelle a vu la présence de la grande chancelière honoraire. Henriette Dagridiabaté a inauguré une salle dédiée en son nom, située dans la cour de la chefferie. Merci d'avoir manqué à moi. Dédou Niaman en est à sa 5e édition cette année. La cérémonie s'est déroulée sur 3 jours. C'est la fin de ce 7 minutes préparé par l'ensemble de la rédaction. Très bon début de semaine à toutes et à tous.